ici au village d'Oximbi et dans le quartier Cité des Enseignants. Ce quartier a été créé en 1953 et il a connu 6 chefs avant moi. Donc je suis le 7e chef de quartier de la Cité des Enseignants. Alors vous savez, les enseignants, c'est des personnalités à l'époque qui étaient les plus élevées en matière intellectuelle. Donc nous avons eu une éducation assez sélecte de la part de nos parents. Il est vrai que parmi les premiers habitants de ce quartier, propriétaires de maisons de ce quartier, il n'y avait pas seulement que les enseignants. Il y avait aussi des personnes qui appartenaient aux autres corps de l'État. Alors, moi, en tant que chef de quartier, je tiens à transformer ces lieux et d'en faire un lieu plaisant, un lieu remarquable et même touristique. Et c'est ça qui me motive. Ce quartier comme étant un modèle dans tous les sens, même dans le sens du développement, dans le sens touristique, dans le sens culturel, dans le sens du développement, dans tous les sens, et même de la recherche, parce que j'en fais. Alors donc, vous savez, dans le souci de me maintenir, parce que nous avons été 2 fois le quartier le plus propre de la ville de Douala, sur 3 éditions, alors se maintenir au sommet n'est pas chose facile. Il faudrait pouvoir poser des actes et mener des actions assez solides pour. Et d'où l'une des actions que vous voyez en ce moment, ce monument que nous avons décidé de construire, pour rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour la liberté et les indépendances. Ça ne va pas être seulement des Camerounais, ça va être aussi d'autres Africains et même des personnes appartenant à d'autres continents, tels que Martin Luther King, John Kennedy. Mais déjà ici à Douala, vous savez, Douala Mangabel, ce qu'il a fait pour qu'il marque l'histoire. Il a défendu les terres de Douala et cela lui a coûté ce que nous avons.
sûrement dans les lieux. Voilà. Le gouverneur. Voilà. Quand on passe dessus, on ne s'imagine pas ce qui passe en dessous. Voilà ce qui passe en dessous. Et ouais, c'est le gouverneur. Ça serait le mammouth. C'était le gouverneur. Mais avec les sociétés qui déversent les yeux. Alors là, oui, on est complètement au-dessus de ce cours d'eau. Alors je vous dis, quand il y avait une inondation, oui, par exemple, l'eau arrivait à tout. Oui, oui, déjà comme nous avons élargi, donc là, il y a We created in 1953, and we have already known six chiefs. I am the seventh, and my motivation is just to transform this quarter to a place where it's going to be very nice to live. So that is my motivation. And now, you know, we have just competed because the delegates, Mr. Tonetone, has just created a competition that awards the quarter with the cleaners. So I've decided, just because you have just won that competition twice, and I just want to remain the first. So for me to remain the first, I just have to do a lot of things. So this is one of the things that I just do, just to remain the first. And what is it that you're doing to it? Given in French, you know, one of the things that used to be a problem when we have a great event is just a traffic. You know, because a lot of persons use the cars, they use motorbikes, and so on. So it makes the traffic very hard. So for me, are you guess that because we have just built this monument, and because the government has just given roads to our quarter, we are just contributed to make the Khan, feminine Khan, just a nice event to live, to believe it, okay? Nous avons donc décidé de bâtir, de construire ce monument pour rendre hommage à toutes ces personnalités-là, ces personnes qui se sont donc battues pour les libertés et les indépendances, mais aussi pour marquer l'action et la rendre éternelle, l'action de Son Excellence Paul Biya. Vous savez, le simple fait, quand on dit le Cameroun uni, mais l'unité, lorsqu'elle est compromise, n'est pas vraiment une unité. Et notre unité était compromise tant que Bakassi n'appartenait pas entièrement au Cameroun. Alors celui qui a fait revenir Bakassi au Cameroun, c'est bien Paul Biya. Il a agi dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même demandé comme prix que le prix Nobel de la paix lui soit décerné. Bon, mais comme vous savez, toutes ces choses-là sont politisées. Lorsque l'on défend son pays, on n'est pas très bien vu par certaines forces. Donc je pense que Paul Biya défend le Cameroun, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait bien que nous puissions immortaliser son action. Et c'est la raison pour laquelle je crois que ce monument va immortaliser la... L'un des problèmes des grands événements, c'est qu'il y a beaucoup d'affluence. Beaucoup d'affluence. Et qui dit beaucoup d'affluence dit embouteillage. Alors nous avons construit un monument. Paul Biya nous a offert des routes grâce au délégué du gouvernement Antonin Frise. Les routes sont là. Donc notre contribution, nous allons décanter la circulation. C'est déjà beaucoup. Vous savez, lorsque les routes manquent, les gens veulent aller vivre un événement et ils sont en retard tout simplement parce qu'il y a un embouteillage, ça paye. C'est cher. Mais avec ces routes-là, je pense que le quartier de la Cité des Anciens contribue déjà à faire en sorte que la CAN se déroule très très bien.